ces permanences servent à accueillir le public qui se promène le dimanche pour pouvoir leur montrer les oiseaux, disons, qui sont sur le plan d'eau. Ils aiment beaucoup regarder dans les lunettes et puis observer de près, disons, des oiseaux qu'ils ne voient que de loin. Là, bon, il y a des permanences l'automne, l'hiver, ça commence au mois de novembre, je pense à peu près, et jusqu'au mois de mars. Ensuite, on fait des visites guidées sur le sentier accompagné. Un dimanche tous les 15 jours. Ouais. C'est canard souche. Petite souche, ça. Oui. La moitié des sur le lac. D'accord. Encore les grenouilles, les poissons. Merci. On peut voir des oiseaux limicoles, donc des oiseaux type échassier, qui viennent se nourrir en fait en bordure de d'îlots. On a des oiseaux d'eau, donc des canards. Le plus souvent, donc on a pas mal de canards qui viennent hiverner en fait, soit sur la réserve, soit sur le lac. On a du passereau, des passereaux qui sont plutôt inféodés au milieu un peu aquatique, donc les bergeronnettes. On a d'autres espèces de passereaux. Et voilà, donc des rapaces aussi, on a du faucon cresserelle et des fois des passages de. Donc comme on disait tout à l'heure, avec donc des passages de migrateurs. Il y a des oiseaux qui sont là tout le temps et des oiseaux qui sont là que de passage, donc des oies, des grues, les cormorants, en rapace, le balbuzard pêcheur par exemple, qui peut venir en passage de 2-3 jours.